Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau Bibliogrill, l'avant-dernier de la saison. Il sera consacré à une question sensible, sinon brûlante. Comment et pourquoi ouvrir la bibliothèque à ses publics sans bibliothécaire et avec quelles conséquences sur l'organisation de l'établissement et de ses équipes? Pour répondre à ces questions, nous avons le plaisir de recevoir Chloé Dersini, directrice des services de la lecture publique et de la médiathèque d'Albert dans la Somme, qui a mis en place une telle offre d'ouverture dans sa nouvelle bibliothèque. Bonjour Chloé. Bonjour. Alors je vais tout de suite rentrer dans le vif du sujet sur ce que c'est que l'Open Plus et expliquer justement quel est cet outil. Alors c'est une solution qui nous a été proposée à l'époque par Bibliothéca, quand on a voulu équiper nos collections avec la RFID, et qui permet l'accès à la médiathèque en complément des horaires d'ouverture standard. Donc, c'est un service d'accès et ce n'est pas un service d'accueil. C'est-à-dire que ça permet d'entrer dans la médiathèque. Mais voilà, l'objectif, c'est qu'il n'y ait pas forcément d'agents présents dans l'espace public. Donc, qu'il n'y ait pas un accueil ni un accompagnement des lecteurs. Donc, ce n'est pas la même chose. Et donc, en conséquence, ça peut intéresser un certain type d'usager, mais ça ne peut pas correspondre aux attentes de tous. Donc, concrètement, on a un lecteur de cartes qui est positionné à l'ouverture de la porte de la médiathèque. Alors, chez nous, c'est un petit peu particulier, on a une entrée secondaire. Et ce système est relié au SIGB de la bibliothèque. Donc, voilà, il y a un accès direct avec le fichier de nos lecteurs. Et ce qui demande au préalable justement que le SIGB ait fait un petit développement pour pouvoir intégrer cette nouvelle solution. Alors, il y a une interface qui peut être administrée à distance, qui est très pratique, c'est-à-dire qu'on peut choisir les horaires Open Plus, on peut regarder la caméra, parce qu'il y a une caméra qui peut être installée où on veut, en fait, il peut y en avoir une ou plusieurs. On peut gérer tout ce qui est administration, on peut regarder les statistiques aussi, le journal d'entrée, le journal de sortie, voilà, on a accès à beaucoup de choses sur une seule interface très, très pratique. Et puis, dans le fonctionnement, on a la présence d'un agent dans l'établissement qui est nécessaire. Alors, ce n'est pas forcément le cas dans d'autres pays où la législation est plus souple. Donc, en Belgique et dans les pays scandinaves, par exemple, l'Open Plus est installé dans certaines médiathèques et les usagers qui accèdent à ce moment-là à la médiathèque, il n'y a pas d'agent qui est présent dans l'établissement. Nous, en France, ce n'est pas encore possible. Il faut qu'il y ait au moins une personne pour des raisons de sécurité ou un système d'astreinte. Mais là, j'avoue qu'on n'a pas encore, nous, creusé la question du système d'astreinte parce que c'est un petit peu sensible. Voilà. Alors, excusez-moi, je passe la diapo suivante. Je vais vous présenter un petit peu notre contexte à nous et l'établissement. Donc, on a ouvert en janvier 2022 un nouvel équipement de 3000 m² à Albert. Donc, on est dans une communauté de communes de 28 000 habitants, de 65 communes, donc très rurales. Et Albert, c'est la ville-centre avec 9 000 habitants. Donc, cet équipement était très attendu. Et regroupe plusieurs services. Donc, on a une école de musique avec la médiathèque, on a un service jeunesse qui gère les centres de loisirs sur le territoire, on a un formateur France numérique également, et puis on a une saison culturelle qui est pilotée depuis cet équipement, et également une salle de spectacle de 200 places. Voilà, donc c'est un bel équipement culturel assez conséquent, qui était très attendu. Et nous, voilà, on avait déjà une médiathèque existante, mais on en a profité évidemment pour retravailler les services de la médiathèque, renouveler alors les collections, les services offerts, et puis un gros travail sur les espaces, parce que l'objectif, c'est aussi d'offrir vraiment une médiathèque troisième lieu où on vient pour profiter de l'équipement, donc beaucoup d'éléments de confort, beaucoup d'espaces retravaillés. On a une salle de travail, on a un grand espace famille, etc.
Donc, on a 900 mètres carrés d'espace public pour la médiathèque répartie sur deux niveaux. Et ben, en 10 mois, on a un nombre d'inscrits qui a doublé. Donc, on a des flux assez importants, voilà, évidemment, le mercredi et le samedi. Je fais un petit point sur l'équipe. On est actuellement 11 agents pour 9 ETP. Donc on vient de recruter plusieurs agents pour préparer l'ouverture et puis on a des recrutements à venir, un en 2023 pour renforcer l'accueil et deux en 2024 parce qu'actuellement on est sur un nouveau projet de médiathèque. Alors avant d'ouvrir, on a travaillé avec l'agence ABCD sur un diagnostic temporel de territoire. Voilà, dans le cadre du dispositif de l'État pour l'extension des horaires d'ouverture. Alors, l'objectif, c'était de définir les horaires d'ouverture standard, comment est-ce qu'on allait ouvrir, et puis bah, les moyens humains y consacrés, parce qu'on passait d'une toute petite médiathèque à une médiathèque un petit peu plus grande. Et ben, voilà, faible flux, quand j'ouvre, j'ai besoin de 3 agents, et en fort flux, j'ai besoin de 5 agents. Donc, nous, on passait sur une autre dimension, et il fallait travailler à tout ça. Donc, on a choisi d'harmoniser nos horaires déjà sur les 2 sites existants, 24h30 par semaine. Et puis surtout, on a eu un vrai travail avec les agents et les ressources humaines sur l'aménagement et leur organisation organisation de leur temps de travail. Alors, évidemment, nouvelle structure, donc on a des nouveaux services et on a un temps de travail interne qui a nettement augmenté. Donc, ça a été l'occasion pour nous de sensibiliser les élus aussi et la direction au back-office et à l'importance que ça avait pour les agents d'avoir le temps de travailler correctement et de mener à bien leur mission. Et surtout d'éviter d'être surmobilisés sur de l'accueil, parce qu'évidemment, il y avait une grosse attente, il fallait ouvrir. Oui, mais on reste une équipe modeste avec des agents qui sont très polyvalents et puis de plus en plus de choses à faire. Donc, on a commencé par vraiment quantifier le temps de travail interne, presque fiche de poste par fiche de poste. Et en fonction du temps qui restait, bah, de dire, bah, voilà, moi, il me reste tant d'heures pour l'accueil public. Donc, il faut recruter. On a recruté. Et aujourd'hui, quand on ouvre, moi, j'estime qu'on a vraiment un accueil de qualité parce que les agents, bah, voilà, ils ont leur temps de travail interne qui est quelque part sécurisé. Et quand ils sont en accueil, ils sont vraiment disponibles. Pour les usagers, quand j'ai 5 agents sur 900 mètres carrés, bah c'est vraiment, voilà, moi, je trouve ça vraiment confortable et l'usager s'y retrouve. Et voilà, je voulais revenir là-dessus parce que c'était vraiment important de dire on a eu cette démarche-là, parce qu'il y avait une vraie demande des agents de dire nous, il faut absolument qu'on ait du temps pour faire notre travail interne et qu'on ne soit pas tout le temps sur de l'accueil, parce que ce n'est pas possible de faire les deux en même temps. Donc, pour vous donner un exemple, alors j'ai deux agents qui font de l'accueil qui sont jusqu'à 22h30 par semaine, mais sinon, les agents sont entre 10 et 15 heures de permanence publique par semaine. Voilà. Et puis, on a aussi négocié des jours de fermeture pour les temps de réunion, pour le back-office. Donc, on est fermé le lundi, mais je le précise parce que moi, j'ai aussi des agents qui travaillent le lundi, et on est fermé le jeudi en journée, toute la journée. Voilà, sur notre organisation. Alors, voilà, l'objectif hein, pour nous dans la mise en place de l'Open Plus, c'était vraiment de répondre de manière vraiment efficiente à la fois à l'attente forte qu'il y avait forcément des élus, nos usagers. Quand on a ouvert, voilà, il fallait énormément ouvrir au public, il fallait qu'on soit ouvert, il fallait de l'accessibilité. En même temps, il y avait évidemment la nécessité de maîtriser les coûts de fonctionnement. On a quand même recruté quatre postes en fait, pour pouvoir ouvrir. Et puis enfin, bah, comme je l'expliquais, répondre aux besoins des agents quant à leur organisation de travail. Voilà. Alors le but aussi, l'Open Plus, c'est que le lieu soit forcément très utilisé. Dernier argument, évidemment. Alors sur la mise en place, on a opté pour plusieurs phases. Alors d'abord, on a ouvert au public en janvier 2022, donc sur des ouvertures classiques, standards, avec des agents. Et au 1er août, on a lancé l'Open Plus. Alors on l'a là, actuellement, on est ouvert en Open Plus le lundi après-midi sur 2h30 et pendant les vacances scolaires, pardon, le mardi matin et le vendredi matin, plus le lundi matin pour les centres de loisirs. Alors ça, ce ciblage-là, il correspond à une demande directe qui nous a été faite par les commerçants et les étudiants quand on a ouvert. Voilà, tout de suite, les commerçants sont venus nous dire,
Voilà, vos horaires d'ouverture, moi j'ai du mal à venir pendant ces horaires-là parce que c'est forcément les horaires où je suis au magasin. Mon jour de repos, c'est le lundi. Il faudrait que je puisse accéder le lundi. Voilà. On a pu y répondre. Et puis les étudiants, public, on n'avait pas avant, comme on a des salles de travail, etc., forcément il y a une demande pour plus d'ouverture pendant les vacances scolaires. Alors ça n'a pas entraîné de modification dans l'organisation de travail des agents puisque ces horaires-là correspondent au temps où de toute façon ils sont présents dans le bâtiment. Et par contre, j'ai là pour ce démarrage, on a toujours un agent qui est présent dans l'espace public. Alors d'abord parce que la caméra ne fonctionne pas encore, il nous faut une autorisation de la préfecture. Et puis pour voir comment ça allait se passer quand même. Alors on a eu 160, alors là on a 161 inscrits à l'Open Plus, ça représente à peu près 6% de nos adhérents. Donc on a eu spontanément beaucoup de gens qui ont tout de suite pris l'option de l'Open Plus sans forcément l'utiliser. Là, quand on fait une ouverture Open Plus, parfois on n'a personne, parfois on peut avoir 4-5 personnes qui viennent. Ce n'est pas un très gros flux. Au niveau des usages, alors on a des gens qui viennent prendre leur réservation et qui repartent tout de suite. On a des personnes qui viennent travailler sur place ou voilà, profiter du lieu. On a constaté aucun débordement. Enfin, il n'y a pas du tout de problème de cet ordre-là. Par contre, là où ça a ses limites, c'est quand là, du fait qu'on ait un agent encore en espace public, à partir du moment où de toute façon il y a un agent, le public va aller demander conseil, va aller engager la conversation, va demander des choses. Voilà, les limites de cette première phase, elles sont là. Et c'est pour ça qu'on souhaite passer à la deuxième à partir de janvier. Donc là, on va étendre le volume d'horaire d'ouverture en Open Plus. On passera à 8h30 par semaine, donc toujours le lundi après-midi. On va essayer d'aller jusqu'à 18h. On gardera les matinées du mardi, du vendredi. Et on fera également le jeudi matin, voire également le jeudi après-midi. Je pense qu'on ira au-delà de 8h30. Et puis on garde les 2 heures d'ouverture le lundi matin pour les centres de loisirs pendant les vacances scolaires. Alors le changement, c'est qu'on va pouvoir utiliser la caméra bientôt. Ce qui fait qu'on n'aura plus besoin d'être quelque part en surveillance dans l'espace public. Et les agents on pourra fonctionner avec un système d'astreinte téléphonique, si vous voulez. Les usagers pourront rentrer dans le bâtiment. S'il y a un problème, ils auront un numéro de téléphone à appeler. Et il y aura un agent qui sera d'astreinte en espace interne et qui, lui, pendant ce temps-là, pourra continuer de travailler justement sur son back-office. Et puis la particularité, pardon, c'est qu'on est un pôle et que potentiellement on peut avoir d'autres agents en dehors de la lecture publique qui peuvent être mobilisés sur l'astreinte. Et c'est là où c'est aussi très intéressant, c'est qu'on a tous des horaires très différents. On a une école de musique avec voilà, des agents qui travaillent sur d'autres horaires que les nôtres. On a une secrétaire de pôle également qui a d'autres horaires et potentiellement ça pourrait encore élargir la possibilité d'ouvrir en Open Plus. Voilà. Je vais terminer sur la charte, comment ça se passe. Un usager peut voilà, demander à souscrire au service Open Plus. C'est une souscription individuelle. On leur remet un document, voilà, cette fameuse charte qu'il doit signer. Alors, lire attentivement, on en parle beaucoup à l'oral pour bien expliquer le principe. Et on rappelle donc, cet accès permet de profiter des espaces de la médiathèque. Donc, on peut s'installer pour lire, jouer aux jeux de société, travailler, etc. Dans le respect des usages, voilà, dans le respect du matériel et des espaces, donc on insiste là-dessus en expliquant qu'une salle de travail, ça reste une salle de travail. Il faut respecter vraiment voilà, la médiathèque comme quand on est ouvert de toute façon en ouverture standard. Et par contre, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. On ne peut pas emprunter d'ordinateur, par exemple. On ne peut pas emprunter les jeux de société non plus. Voilà, encore une fois, c'est différent d'un accueil standard avec des médiateurs et des agents qui sont là. On explique aussi le rôle de l'agent qui est là, alors soit présent dans l'espace public, soit en interne. C'est-à-dire qu'il est là vraiment pour tout problème qui relève des questions de sécurité ou pour donner accès à l'ascenseur aux personnes à mobilité réduite. Donc, il n'est pas en accueil public. Donc, l'usager doit être absolument autonome. Donc, savoir se servir des automates de pré-retour. Son abonnement doit être à jour. Quelqu'un qui vient pour faire une inscription, on dira qu'en fait, l'agent
la médiathèque, le service d'accueil de la médiathèque n'est pas ouvert et on l'invitera à revenir aux horaires d'ouverture standard. Voilà, concrètement. Par exemple, les automates de prêt-retour, si jamais il y a un problème, problème technique, l'usager n'y arrive pas, on met des fiches de prêt de secours. Donc, ça, c'est à lui de remplir la fiche et voilà, il peut repartir avec ses documents, il n'y a pas de problème. Et puis enfin, un usager, donc j'expliquais que c'était une inscription individuelle, donc on ne peut pas faire rentrer une autre personne qui n'aurait pas souscrit l'Open Plus. On leur demande aussi de vérifier qu'en entrant, il n'y a pas quelqu'un qui rentre derrière eux. On les sensibilise aussi à ça. Et alors, tout usager peut y souscrire, sauf les moins de 16 ans qui doivent être accompagnés de leurs parents. Et on a une tolérance pour les mineurs de 16-17 ans qui peuvent venir, mais il faut une attestation au préalable des parents. Voilà. Alors après, autre chose que je voudrais dire par rapport à l'Open Plus, ce qu'on constate aussi, alors on a aussi observé comment les usagers venaient se parler un petit peu de la médiathèque, et je pense qu'il y a aussi l'idée d'une relation de confiance qui est un vrai plus en fait par rapport à cet outil-là. C'est vraiment de dire la médiathèque, quelque part, est pour vous, vous appartient. Et là, en vous permettant d'accéder à ce bâtiment-là sans que nous, il y ait vraiment une surveillance. Ben voilà, c'est l'idée d'une relation de confiance que je trouve très intéressante en fait, dans le relationnel avec l'usager. Je crois que c'était... C'est à peu près tout ce que je voulais dire. Je voulais terminer là-dessus. Et puis enfin, une dernière information encore très concrète. Comment ça se passe exactement l'inscription? Alors nous, sur notre SIGB, on a juste une petite case à cocher pour dire que l'usager est inscrit à l'Open Plus. Et quand il rentre, il badge avec sa carte de lecteur. Donc le système est très, très simple. Il n'y a pas un badge supplémentaire, il n'y a pas un autre site, un autre logiciel à gérer. Tout est centralisé sur le SIGB de la bibliothèque. Et voilà. Donc j'en ai fini moi pour la présentation. Beaucoup. Merci beaucoup Chloé. Évidemment, les questions de nos collègues commencent à arriver. Je les invite à continuer à nous les poser. Alors première question, est-ce que le doublement des inscrits est à votre avis lié à cette ouverture? Alors à l'ouverture de la nouvelle médiathèque? Et à l'ouverture du service Open Plus? Non. Non, non, parce que pour l'instant, on n'a pas encore suffisamment de retours importants et on n'a pas fait un vrai gros plan de communication en fait, sur ce nouveau service-là. Pour l'instant, c'est resté un peu confidentiel, c'est-à-dire qu'on a essentiellement ciblé nos usagers parce qu'on voulait voir aussi comment ça allait se passer concrètement. On avait besoin d'expérimenter avant d'être vraiment confiant et de pouvoir complètement communiquer là-dessus. Et ce qu'on voudrait surtout, c'est arriver rapidement à la phase 2, où les agents ne sont plus en présentiel dans l'espace public. Moi, je voudrais vraiment qu'on arrive au vrai fonctionnement de l'Open Plus, où il y a un système d'astreinte téléphonique et c'est un fonctionnement où les agents ne sont pas mobilisés. Et qu'on soit vraiment confiant là-dessus et qu'on puisse communiquer plus largement. Deuxième question, quelle plus-value pour les centres de loisirs de venir en autonomie? Parce qu'en fait, ça ne mobilise pas un agent de nos services pour pouvoir leur ouvrir, les accueillir. Et puis, alors il se trouve que nous, le jour qui les intéresse, c'est le lundi. Et le lundi, forcément, je n'avais pas beaucoup d'agents de toute façon pour pouvoir les accueillir. Donc c'est là, c'est un accès qu'ils n'auraient pas pu avoir autrement. D'accord. Est-ce que vous avez eu des réticences à lever parmi vos agents? Alors, il y avait des questionnements au départ parce que forcément, ça suscite des craintes en fait de se dire on va laisser un bâtiment accessible sans qu'il y ait de surveillance. Qu'est-ce qui va se passer ça, voilà, forcément, il y a des questions qui se posent. Il y avait des craintes peut-être de dégradation, de se dire oui, mais alors les usagers, s'il y a des problèmes. Je pense que c'était surtout focalisé sur le fait de ne pas pouvoir surveiller ce qui pouvait bien se passer quand on n'est pas là. Et pas de questions sur leur rôle? Sur leur rôle? Sur leur rôle de bibliothécaire? Non, 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 là-dessus, il n'y en a pas eu parce que justement, sur les accueils publics standards, ils savent qu'ils ont très largement maintenant les moyens d'être médiateurs et d'avoir le temps, voilà,
d'être disponible et de pouvoir le faire largement sur ces créneaux-là. Il n'y a eu aucune discussion en fait là-dessus, aucune réticence ou de voilà en termes de positionnement. J'ai pas eu de retour là-dessus. C'était vraiment focalisé sur la crainte de dégradation ou qu'est-ce qui peut se passer quand on n'est pas là. Sur la relation de confiance. C'est ça. Pensez-vous que votre environnement très rural est une condition à la réussite du projet? Alors, est-ce que c'est une condition? Je ne sais pas. Je pense que c'est approprié. Ça peut être approprié aussi à d'autres environnements, mais nous, voilà, il se trouve que alors, on est sur une ville qui attire beaucoup d'actifs, hein, de la com de com. Donc, on a beaucoup de gens qui viennent travailler et qui repartent le soir. On a pu réfléchir un petit peu aux migrations pendulaires aussi qu'il y avait sur ce territoire-là et se rendre compte qu'il y a des attentes très diverses en termes d'accessibilité à ce lieu et des profils aussi très variés. Donc, moi, je pense que l'Open Plus, ça peut vraiment répondre à un souhait d'usager de venir en dehors des horaires d'ouverture un peu standard, notamment en soirée, par exemple. Je parlais du lundi, on va essayer d'aller le lundi jusqu'à 18 h, ça peut répondre à une demande, notamment. Voilà, alors on peut parler aussi des autres sites. Est-ce que, par exemple, en milieu rural, c'est pertinent sur une petite médiathèque de proximité d'avoir l'Open Plus? C'est le cas, on a une médiathèque à Bray-sur-Somme, on est en train d'en construire une autre. Pour moi, ça ne l'est pas, par exemple, parce que de toute façon, pour ouvrir celui-là, j'ai besoin d'un agent. Je ne mets qu'un agent en ouverture. Et que ce soit de l'ouverture standard ou de l'ouverture Open Plus, bah, ça ne change rien. De toute façon, je suis obligée de mettre quelqu'un. Donc voilà, un exemple un peu concret, sur une petite médiathèque de proximité où de toute façon, il n'y a besoin que d'une personne, ben, ce n'est pas forcément pertinent. Moi, sur Albert, ça l'est parce que une ouverture standard, comme je vous disais, c'est 3 personnes minimum. Là, je peux ouvrir en ne mettant qu'une personne d'astreinte qui travaille en parallèle sur son back-office. Voilà. Il y a aussi le souci d'économie un peu, en fait. Voilà, la personne d'astreinte est sur place dans les espaces intérieurs. C'est ça. Est-ce que ça s'adapte à tous les SIGB ou est-ce que il faut un Alors, SIGB? ça, je n'ai pas la réponse. Comme c'était une première en France, nous, on est avec la société AFI. Et effectivement, il a fallu qu'on leur demande de faire un petit développement sur leur logiciel pour qu'ils puissent. Il y a une licence SIP2, voilà, très précisément, pouvoir créer cette passerelle entre le système Open Plus et qui est un raccordement en fait avec le fichier lecteur et le système SIGB. Alors voilà, est-ce que les autres logiciels sont en capacité de le faire? Je ne sais pas, je suppose que oui, de toute façon. C'est juste un développement à faire de toute façon. Est-ce que cet accès supplémentaire, ce service supplémentaire est offert gratuitement ou est-ce qu'il y a un petit coût d'inscription? Et est-ce que il y a 2 questions aussi sur la question de la vie privée un peu. Est-ce que vous conservez des données sur qui entre et sort et est-ce que on peut concilier caméra et respect de la vie privée? Oui. Alors oui, le service est complètement gratuit. L'inscription est gratuite de toute façon dans notre réseau. Donc quand vous souscrivez à une adhésion, vous pouvez souscrire l'Open Plus dans la foulée. Voilà. Justement, la caméra, on a rempli une demande qu'on a soumise à la sous-préfecture. Donc c'est très encadré. Voilà, de toute façon, Bibliothèca a eu l'obligation de respecter tout ce qui était RGPD. Donc, on a des données qui sont conservées une semaine. Au-delà d'une semaine, de toute façon, les bandes sont effacées. On ne peut pas les consulter en dehors de l'établissement. Par exemple, je parlais de l'interface. L'interface, on peut le gérer depuis chez soi, par exemple. Je peux gérer les horaires Open Plus, mais par contre, je n'ai pas accès à la caméra parce que ce sont des données sensibles. On ne peut les consulter que dans l'établissement. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait d'autre dans votre question? Combien de temps est-ce qu'on conserve les données? Eh bien, par exemple, moi, j'ai accès au nom des personnes qui rentrent et qui sortent, mais au bout d'un certain laps de temps, c'est automatiquement effacé. J'ai pas, ça ne reste pas inscrit. Donc, en fait, le logiciel
respecte tout ce qui est donné normes, en fait, RGPD, toutes nos obligations, de toute façon, en France. En revanche, vous conservez les statistiques d'entrée et de sortie, la C'est durée, ça, je garde uniquement les statistiques, mais comme les CGB, de toute façon. Quel est le coût de ce service pour l'établissement? Et est-ce qu'il y a une maintenance dont il faut prévoir aussi le coût et comment fonctionne-t-elle? Oui. Alors, le coût, on a eu un. Alors, quand on a acheté le système, voilà, ça coûtait entre 17 000 et 20 000 euros. Voilà, tout le système plus l'installation. Et on a eu des aides de l'État, parce que ça rentrait dans le cadre de l'extension des horaires d'ouverture. Donc, on a été financé à hauteur de 70%. Ensuite, il y a eu le coût de développement à prévoir pour le fournisseur logiciel. On a dû en avoir pour près de 1 000 euros. Et puis, effectivement, il y a une maintenance annuelle qui, il me semble, est de 2 000 euros aussi par an. Voilà. Autre question, vous avez fait la différence entre accès et accueil. Ce n'est pas le même Oui. service qui est offert. En termes d'accueil, qu'est-ce que ça vous a permis de développer sur la médiation, la programmation culturelle, etc. Est-ce que ça vous a permis de développer des choses? Alors, l'Open Plus ne nous a pas permis de développer des choses, en fait. On est rentré dans un nouvel équipement avec un nouveau projet d'établissement qui était assez ambitieux, en fait, en termes d'action culturelle, de développement de l'EAC, de développement de nouveaux services. Donc, on a développé un service de jeux vidéo, de jeux de société. Là, on va aller encore sur d'autres projets de partenariat. Donc, en fait, simplement, il faut bien se dire que pour répondre à tous ces souhaits, voilà, ces axes de mission, on ne pouvait pas aller au-delà de 24h30 d'ouverture publique par semaine pour pouvoir à côté travailler à tous ces projets-là. Et donc l'Open Plus, c'est un plus. C'est un plus qui permet d'étendre nos horaires d'accès du lieu pour un certain type de public et un certain type d'usage. Donc je ne dirais pas que ça a permis. De développer des choses. C'est juste que c'était dans notre projet de service de toute façon de développer ces axes-là. Et l'Open Plus, c'est un service en plus. Voilà. Et ça a permis de sanctuariser donc, le travail interne. Oui, ça complètement. Tout en conciliant l'ouverture. Ben, voilà, c'est ça. Comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment une question de. De déficience, quoi. De se dire à un moment, on a du personnel qui est présent dans le bâtiment, qui est en travail interne, donc ça, on n'y touche pas parce que c'est nécessaire au fonctionnement. Mais en attendant, on a un grand lieu qui n'est pas utilisé par le public et on a certainement des usagers qui sont complètement autonomes et qui n'ont pas besoin de nous, en fait, pour venir faire ce qu'ils ont envie de faire en médiathèque. Donc autant en profiter, justement, pour rendre accessible le lieu. Et nous, on reste complètement cohérent dans nos missions d'accueil et de médiation parce que pour ça, on a d'autres temps dans la semaine pour pouvoir le faire. Et alors, dernière toute petite question, la caméra pose beaucoup de questions et on se demande à quoi sert-elle exactement? Alors, nous, on l'a positionnée à l'entrée de la médiathèque, à l'intérieur de la médiathèque. Donc, comme ça, on voit un petit peu qui rentre, qui sort. Alors, ça peut quelque part nous rassurer quand on n'est pas forcément confiant sur l'utilisation du lieu, qui va rentrer, qui va sortir. Ça permet de voir ça. Après, si jamais il y avait eu un problème, si un problème est de dégradation, par exemple, qu'on constate après coup, on peut regarder ce qui s'est passé dans le laps de temps où cette dégradation pourrait avoir eu lieu. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau des entrées et des sorties? Alors oui, effectivement, j'ai le journal qui m'indique qui a badgé, quelle est l'identité de la personne qui a badgé. Mais on peut aussi en même temps croiser avec ce qu'on observe, ce qu'on peut observer sur ce laps de temps-là au niveau des entrées et des sorties. C'est vraiment une question de sécurité et puis peut-être pour se rassurer sur ce qui se passe. Voilà. D'accord. Et alors, ultime question cette fois-ci. Les autres services hébergés dans le centre culturel ne souhaitent-ils pas ouvrir eux aussi en Open Plus? Alors non, parce que l'école de musique, ce sont des professeurs, donc ce sont des cours. Et les salles de répétition Alors la salle de répétition, non, pas en Open Plus, parce que de toute façon, c'est un système de location de salles.
Effectivement, ça aurait pu, c'est peut-être la seule chose qui aurait pu fonctionner en Open Plus, mais en fait, c'est un système de réservation de salles. Et dans ce cas-là, les usagers auront un badge. Tout est sur badge, en fait. Mais c'est un badge. Voilà, on confiera un badge au groupe qui souhaite venir répéter et il aura une heure particulière pour venir le faire. Et auparavant, voilà, il y a des conventions à signer. C'est tout un autre système, en fait. D'accord. Très bien. Eh bien, merci beaucoup, Chloé. Merci beaucoup à toutes et à tous pour votre attention et pour vos questions. Merci encore, Chloé, d'avoir bien voulu y répondre. Le prochain BiblioGrill, qui sera le dernier de l'année, aura lieu dès la semaine prochaine, jeudi prochain, à 11h. Son sujet, le financement des ludothèques et l'aide de la CAF. Bonne journée à toutes et à tous et à très bientôt. Merci. Au revoir. Merci à vous. Bonne Au journée, revoir. au revoir.